Bizarrement, gagné et ancien député Jerry Tardieu. Et faut que moi dis nous, dans moment là, Jerry Tardieu est vraiment présent dans la diaspora. Dans pile communauté haïtienne, dans différents états, dans pays États-Unis, Jerry Tardieu est vraiment présent. Il y a pile diaspora qui connaît citoyen ça. Il y a une structure politique li qui est en avant. Il y a tout ce qui est dans la diaspora. Rencontrer haïtien, chita parler avec haïtien, reprendre, présenter projet, présenter vision, le voir Haïti comment ta rime roi Haïti. Mais comment Jerry Tardieu ouais problème insécurité, problème gouvernance, comment le dans moment là? Comment Jerry Tardieu ouais question gang dans moment là? Parce que l'autre dirigeant est leader. L'autre considéré tête comme homme politique, leader politique, ou gen mon pour vous dire? Diaspora qui présent, qui toujours participe dans toutes les réunions, toutes les invitations lancées. C'est qui ça le dire avec diaspora? Moun sa yo qui besoin rentrer en Haïti, qui ça le pour dire dans la question de sécurité? Eh bien, Jerry Tardieu qui a participé dans une émission avec le journaliste senior Wendell Theodore, Le Point, eh bien, pral invite ou, rale tichèz ou chita. Pourtant, dès qu'il approche, Jerry Tardieu fait de l'insécurité, de gouvernance qui gagne là, gouvernance Ariel Henry, gouvernement Ariel Henry là, façon Ariel Henry a géré l'argent de l'État, comment le PNH, comment le haïtien dans ce moment là. Et partager émission, partager vidéo, en nous tenant ensemble, qui ça, Jerry Tardieu, gagne pour le dire. Kenyan doit prendre tête une force d'intervention en Haïti. Qui position en avant? Ou quoi, j'ai le respect pour vous comme journaliste. L'un des meilleurs. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, je dis que question mal posée, ou du moins, bon ensemble de questions pour nous poser avant, nous aborder question ça. Qui ça y est? Et vous permettre de dire qui ça y est. D'abord, avant d'arriver sur question ça, il faut nous poser peut-être une question. Fondamental. Est-ce que la police nationale d'Haïti, je dis, il y a des moyens financiers, techniques, logistiques, humains. Non, mais je vais répondre à une question dans l'autre gens. Ou tu nous as dit, ma position. Parce que question dans position pour être clair. Non, non, par contre. Non, préalable, là, non, préalable, pour dire là. C'est parce que la police n'a pas de moyens. C'est une évidence. Non, on ne va pas préjuger de ça, je vais dire, permets-moi. Non, on ne va pas préjuger, non. C'est parce qu'on dit, avec tout respect qu'on a, moi, je vais poser une question à l'autre gens. Et puis, élément de réponse ou avancé, ou dit, il faut nous poser la question, est-ce que la police n'a pas moyen? Est-ce qu'elle n'est pas capable? La question est posée. Oui. Les bras, je vais une réponse claire. Est-ce que... Par contre, réponse que je vais m'a bon, un petit moment pour m'élaborer sur lui, parce qu'on ne peut pas verser dans une forme de simplisme. Dans ça, nous relayons une question fondamentale et importante pour Haïti. Très cher. Qui nécessite... Cher député, honorable député, ça n'a pas empêché que fixer position par rapport à l'arrivée éventuelle ou prochaine de la force. Souvent mon chance. Bien sûr, ma parole. Parce que si mes bitos là, c'est justement parce que faut capable parler. Bon, voici. Et me penser que c'est très important pour nous faire débat ça, parce que débat ça sont débats fondamentaux. D'abord, la première question à se poser. Est-ce que police nationale là gagne les moyens techniques, financiers, logistiques, humains pour faire face à ça nous relève une menace sécuritaire de notre type? Ça veut dire de qui ça n'a pas parlé? N'a pas parlé de gang qui lourdement armé, n'a pas parlé de gang qui cintré capital là, n'a pas parlé de gang qui financé et qui substitué à l'État dans ensemble de zones côté que c'est eux-mêmes qui a fait circulation, qui a collecté l'argent dans mes tap passager avec taxi moto pour quitter au passé. Un. Deuxièmement, force de sécurité, c'est PNH, c'est l'armée tout. Est-ce que bon l'armée en Haïti? Moi, j'ai le respect pour l'institution militaire, c'est que nous indépendance, c'est que briser chaîne l'esclavage dans le pied. Mais l'armée d'Haïti, je dis, n'a pas existé. Nous avons des hommes en uniforme, on ne peut pas questionner la capacité personnelle. You know? Mais l'armée, c'est qui ça? L'armée, c'est capacité, c'est courage, c'est énergie, c'est puissance, c'est prestige, c'est prestance. L'armée, c'est d'abord des officiers, des soldats qui prêtent un serment d'engagement. Ça veut dire yo sémenté que y a défendre yon population yon pays et que yo pa jamais retourner zam lan contre pays yo. Est-ce que nous c'est ça qu'a fait là? Non. Donc nous avons premier constat pour nous faire Wendell Theodore que gagne un problème avec les forces de sécurité. Ceci dit, faut nous appuyer,
faut qu'on courir. Comment? Et c'est là la question, ma privée sous. Mais pour nous connaître comment nous pral aborder question sécurité, faut nous comprendre sécurité. Est-ce que gagne une jodia? Si n'a pas de bobré, ambassadeur du Canada aux Nations Unies, li dit ou li parle à l'autorité ou pas gagne. Et m'koué pas gagne vraiment. Parce que qui son plan sécurité? C'est pour l'autorité ou ta gagne un chronogramme, côté ou dit, mes budget, mes troupes yon besoin, mes équipements yon besoin, pour yon faire 1, 2, 3, 4, 5, pour yon arriver dans 6, pas gagne plan. Donc si pas gagne plan, quel que soit force, ça que le national ou bien externe, qui ça capable de porter pour nous? Ça, c'est une deuxième question, il faut nous répondre. Pour qu'on gagne plan, il faut nous faire. Troisième question, qui légitimité moun kap mande force ça? Et là encore, nous tournons dans la question politique, la question de la légitimité du Premier ministre Ariel Henry et la nécessité qu'il y ait un consensus politique plus large pour que lui-même conseille de responsabilité que le PAC apprenne lui-même. Responsabilité, ça, qui ça c'est pour déterminer comment nous pourrons supporter et courir police nationale avec la main noire. Position PAN, c'est que premier objectif, nous, c'est sécuriser le peuple, c'est sauver le peuple, c'est libérer la capitale, libérer Haïti. Donc, dans ce sens, ça nous ouvert à une collaboration sérieuse. Ce n'est pas fini là, nous, qui avons fait là dans les Nations Unies, côté, et après, filer Haïti, dans une patate chaud, et puis, bon, jouet là, filer là, nous, qui avons fait. Non, non, non. En collaboration sérieuse, parce que nous pas peur parler avec Zamino dans la communauté internationale. Nous avons libéré l'Amérique latine. Là, nous avons un problème. Donc, nous n'avons aucun problème. Tout nous-mêmes, nous faisons partie d'un ensemble régional pour nous garder comment nous sommes capables de nous. Seulement, là, nous tendons que nous avons 400 millions de dollars pour investir dans la force. Entre 200 et 400. Entre 200 et 400. On prend 400 parce que nous pensons quand même plus. Parce que ce qui va passer là, c'est que nous avons besoin d'un plan que nous avons en plus loin. Maintenant, ça me dit moi-même, 400 millions de dollars, ça, faut nous garder bien, pendant que nous d'accord que nous prenons ça, nous avons comme assistance, comme courant, comme support. Puis, faut nous comme ça, tu as dû dépenser dans la police nationale avec l'armée d'Haïti pour que Haïti soit capable de défendre tête dans les 50, 100 et 150 prochaines années. Pour qui ça? Parce que faut nous prendre leçon de différentes missions de Vinicio. 10 milliards de dollars plus tard, 15 ans après, des missions successives sur la justice, la sécurité et la police, pays a crasé, effondré. Les noms de gang, on pas arrêter, on met ça de côté. Non, non, on a réfléchi comment nous prenons le rebat 4 là. Parce que qui ça nous a besoin aujourd'hui? C'est le rebat 4 là. Parce que on ne peut pas être menti. Comment nous, aujourd'hui, sommes capables de parler de autonomie, de souveraineté? Là, on a parlé de l'éducation, c'est UNICEF qui est plus impliqué. On a parlé de santé, c'est OMS. N'a parlé de police nationale là, c'est France, États-Unis, Canada qui finance le député. Là n'a parlé agriculture, CFAO, ça veut dire que nous avons souveraineté qui déjà limitée. Jodi a faut nous prenons courage nous à demain pour nous chita avec international là pour nous garder qui accord, qui accompagnement, qui support yo pral ba nous pour nous résoudre problème insécurité en ayant à l'esprit que de toutes les façons, la priorité des priorités c'est donner à l'armée d'Haïti. Et la police nationale, on va dire, les forces de sécurité publique, la possibilité de répondre à leur devoir patriotique et à leur serment d'engagement de défendre la population de ce beau pays. OK, à quel moment après, force Kenyan yo, fini en Haïti ou bien avant? Non, force Kenyan yo, pas qu'à entrer en Haïti sur la simple et bonne décision d'un premier ministre qui manquait légitimité. Force Kenyan, son proposition qui sous le tapis. Que moi-même, comme leader politique, je ne connais ni devant ni derrière, je ne connais rien là-dedans. Par contre, je connais que je prends une discussion politique avec les acteurs politiques et ceux qui ont l'effectivité du pouvoir pour moi comprendre qui ça gagne dans la proposition. Pendant que je parle à voilà, je ne peux pas parler d'un bagage que je ne connais pas, je ne peux pas parler d'un bagage que je n'ai rien pour payer. Ok, mais vous avez dit là tout à l'heure que nous devons être ouverts à une collaboration sérieuse. Expliquez-moi ça. Il y a toute qualité de forme. En collaboration sérieuse, nous avons des policiers ou bien militaires qui ont volé l'hélicoptère, qui ont piloté l'hélicoptère, qui ont piloté drone, qui ont utilisé des machines extrêmement sophistiquées pour identifier des individus mal intentionnés qui ont 200 km à 300 km. Nous avons une collaboration qui est capable simplement de formation sur le terrain. Nous avons des accompagnements qui sont sur le terrain. Tout. Pourquoi pas? On grand objectif nous avons, c'est retirer la population. Dans la misère, dans la tribu, dans la
dans ça la passé là parce que imaginons en seconde Wendell Théodore nek Jacmel que yon haïtien jodi a konsol Jacmel même Jean Abou mais konsol n'importe qui côté maman même Jacmel grand-père c'est mon okay mais sous beau papa grand-mère c'est mon Pestel grand-père c'est mon Corail mais c'est nek grand sud mon ka parler pour tout monde grand sud ou péninsulaire ou péninsulaire mon ka parler tout monde dans sud oui Alain Hall t'a contenté de ça mon ka parler de pour mon grand aujourd'hui alors mon ka parler pour tout haïtien là on bade même dans diaspora pas grand haïtien qui fier aujourd'hui que nous obligé faire discussion ça a dit pour nous défendre pays nous obligé à garder qui type de support qui doit en cadeau non par contre nous avons responsabilité historique tout ça plus important c'est défendre peuple là c'est retirer parce que on haïtien Wendell Théodore leur a regardé histoire nous ça dit nous sommes le flambeau de la liberté nous te symboliser la liberté de manière universelle on a Jean-Jacques Dessalines te fait une constitution pour te dire pour te gon goutte noir dans sang vinn pour un passeport haïtien parce qu'on sont homme ou femme libre dans le monde mais mes amis nous pas ca sortir d'un pays qui a un héritage ça et puis jodi a pour nous d'accord que nous pas ca même sortir la caillou nous pas ca côté nous voulez ou pas ca Jacmel dans pays il faut refuser l'inacceptable c'est le sens de notre montée au créneau c'est pour ça jodi a nous dit faut nous dit stop. Il faut trouver une solution dans ce qu'a fait là. Et faut dire tout bien, c'est haïtien encore qui empêche de circuler. Bon, le pire. Le pire encore. Pour quelle raison? Oui. Côté longtemps, dans une période esclavagiste, colonialiste et raciste, nous avons des gens qui sont sortis dans l'autre pays, qui ont décidé de faire nous vivre dans la coubette. Je dis à ces haïtiens pareils, qui décident de faire nous même traitement. Et peut-être, nous avons regardé l'image canadien, puis mal encore. Que ça a été fait. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut refuser l'inacceptable. Maintenant, député. C'est presque correct, on va dire c'est correct, approche-toi. Mais maintenant, il y a péril en la demeure. Il y a urgence. Il y a urgence. Sans dire là, approche-toi, c'est il y a de mettre l'exécution à moyen terme ou à long terme. Parce qu'on paquet de bagarre au mandé là, député. Écoutez, nèg canan ou kagat envahi toute pleine, non? Nèg matissant village et autres. Ils sont capables de arriver dans le centre-ville déjà. Ils sont capables d'arriver côté où vous nous pas gagné pour nous faire ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Nous avons pour nous faire coulir et nous devons faire le billet. Ça veut dire qui ça? Son appel n'a pas aujourd'hui. C'est le sens aussi que nous montons au créneau pour nous dire acteurs politiques, pour nous dire pouvoir ça, pour nous dire qu'il y a une responsabilité. Jodia, l'histoire pour aller juger si vous n'avez pas pour faire ça pour faire. D'abord, pour le ministre, il faut comprendre que vous n'avez pas de légitimité suffisante pour le penser le caboté. Bah, ça, sous l'eau, non. Même sur route là, député. Mais son appel, je ne fais parce que je ne peux pas faire l'autre bagarre que ça m'a fait. Là. Ça veut dire que c'est conscientiser l'autre force vive pour nous dire, pour le ministre, il faut qu'il fasse un effort parce que d'abord et avant tout, c'est le gain. Manette dans le mail, il y a des discussions qui sont en cours. Il faut continuer. Un. Deuxièmement, du moment que nous avons volonté au plus haut niveau de l'État pour nous capables de faire un front commun par rapport à ce qu'a fait là, faites-moi confiance. Nous ne sommes pas trop loin, capables de faire un consensus, un pacte. Maintenant, il faut que nous invitions tout l'autre acteur politique pour comprendre qu'il faut faire un dépassement de soi. Il faut nous inviter force police avec militaire. Il y a des fois, ou pas obligé même de nous l'ordre de supérieur non pour faire ce gain pour faire par rapport à serment engagement qu'on prend moi même pas ta comprendre que moi même son soldat j'ai uniforme kaki à son j'ai armoire de la république à son et puis le fini mon peuple qui en désarroi qui vient devant me dit aider me sauver me et puis pour me camper c'est-à-dire que nous contendez officier au état major là moi même pas veut questionner bonne foi puisque nous tendez dit si on te gain capacité on te faire un bagage. Mais si yon l'autre qui pas vini et yon voulez faire un bagay, ça m'a fait à la fin ou fait le tout. Ça veut dire que fè yon dit, si yon pa ba yon capacité pour yon faire ça ou gen pour faire, yon même yon pa prête là pour yon servir portrait. Parce que c'est ça que font on nomme yon femme dans la vie. C'est capacité, c'est personnalité, c'est dignité. C'est de ça n'a parlé, Wendell Théodore. Donc, m'invite tout le monde pour faire face à la responsabilité par rapport à sa pays à vivre. Information fait quoi que international, lui-même, bon côté parle. Il souhaitait, il est vrai que je comprends la réponse qu'on saute Bayalan par rapport à l'urgence qui gagne, ou même parler de certains préalables. Mais député, j'aime ça déjà, le temps presse, pile monde a mouru. Est-ce que faut que
2, 3, 4, 5 000 moun encore qui mourir pour que gagne ce consensus que l'international a réclamé depuis quelque temps. Il dit que il souhaitait que gagne un consensus entre les acteurs parce que gen moun qui pour étranger au vini, gen moun qui pas d'accord, gen moun tout qui poser conditions. Si a vini, mais. Pendant que nous tous oublions tout que, un, c'est nous qui mettons le pays dans sa lière. Deux. Ça importe un peu, ce que je dire. Oui, c'est nous qui mettons. Nous ne pouvons pas toute la journée mettre sous l'autre responsabilité que nous-mêmes nous faillons. Nous aimons faire ça, et Wendell. Nous aimons dire pas nous-mêmes, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est pas vrai. D'abord, les premiers responsables du malheur haïtien sont les Haïtiens eux-mêmes. Et les Haïtiens eux-mêmes. Il faut partie de principe ça. Je ne dis pas son base individuelle. Qui sont faits pour responsables? Qui ça me fait pour responsables? Mais l'histoire est un tout. Il n'y a pas de morceau d'histoire. Ça veut dire, là, nous prenons les 35 dernières années, nous gardons nous que rêve démocratique là, il est échoué. Ça ne veut pas dire que pas de des bonnes tentatives. Ça ne veut pas dire que par moment, Aristide, Préval et on l'autre capable de faire ça ou de pour faire. Mais la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est que son échec total. Et m'a profité de là aujourd'hui. Que pendant qu'on parle de conjoncture, il ne faut pas oublier que l'on a réparé le pays, il faut regarder qui s'est passé. Parce que pas comme ça, nous vivons côté nous. Là. Son pays, je dis, à côté de la bataille entre un ensemble de monde qui certainement à l'aise avec statu quo, Jean Balaï, et des monde qui vont véritable changement en Haïti. Et ça, quelle que soit l'idéologie politique. Mais ça, son l'autre débat. Moi-même, je mets un peu les acteurs, je mets un peu les internationaux là tout. Parce que, bon, je dis, on parle, on dit, on a dit, on a dit, on a dit, on parle clair. Mais même dans la dernière élection, on a eu un slogan, Mantikaba, on fait le dire. Même international, là, a demandé à Haïtiens pour yon chita et pour yon gagner en position de patriotique pour le pays, de telle sorte que nous parlons d'une seule voix. On dit là, on a eu comme ça. Mais yon même, yon pas sous même nous gagnons. Exemple, au niveau des États-Unis qui sont puissants amis, côté nous gagnons 3 ou 4 millions de compatriotes qui vivent. Mais souvent, nous gagnons l'impression que même au niveau de l'administration américaine, ou gagne la Maison Blanche et le secrétaire d'État Blinken qui sont en position, et nous pas nécessairement penser que le State Department et l'ambassade des États-Unis en Haïti sous même longueur d'onde. Souvent, nous voyons que le Canada et les États-Unis passent sous même longueur d'onde. Très souvent même, nous voyons que la France passe sous même longueur d'onde avec le Canada. Et nous pas même parler de l'OEA qui pas toujours retrouvé avec l'ONU. Et on nous prend le CARICOM qui c'est dernière initiative là. Moi comprendre que bon malaise de la part d'un pile monde dans l'autre organisation internationale là que c'est CARICOM donc nous même même devoir de maison yo mandé nous faire nous même nous penser que faut international à tout eu égard à l'histoire d'Haïti yo gagné pour yo font réviser cahier pour yo même. La police nationale prend gros disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons aucune chaîne de mariage, population avec la police fait. Ils ont lancé opération Boakale Wash Maman. Gaillé Kaka Bandi. Boy,
passe force étranger pour nous foutre marcher prend yo. Si mes manchettes manchettes sous yo. L'itelle l'itel temps pour révolution la guerre. Gagne un bois calé, wash maman. Capable bon position sur Haïti cap aider Haïti. Oui, faut nous interpeller acteurs de point de vue national, mais parce que bon dire un bagaille. Police nationale la crase aujourd'hui. Mais son financement étranger qui te bail li. Son il y a une responsabilité partagée de l'échec de la police nationale. Nous pas là pour nous dire bon finalement on va nous voir tout son tel, on va mettre différence. Non, effaçons le tableau comme dit l'autre. Il faut une projection d'avenir, mais nous font bon diagnostic. Parce que si nous ne faisons pas de diagnostic avec honnêteté, nous ne pouvons pas foutre pour les bonnes dispositions pour l'avenir. Je vais retourner sur l'international encore, député. Avec plaisir. L'international dit, puis, en fait, il est venu déjà, si je comprends bien la parole, si les Haïtiens ont entendu, si les Haïtiens ont joué une position commune, ils ont joué un consensus par rapport à eux. Je dis à une position, non? L'autre monde a une position pas autour. Toujours est-il que c'est par centaines que les Haïtiens ont mouru. M'pa kwè, bon, bonjour. C'est pas étranger ou bien international là qui pour imposer nous-mêmes pour nous jouer un accord inter-haïtien. Par contre, c'est vrai que en pile là-dedans, yo dit que yo t'a plus à l'aise dans l'analyse du cas haïtien si tu gagné en posture nationale haïtienne, c'est-à-dire que acteur politique ont une vision dégagée. Bonjour. Jodi a nous plus près que plus loin, yon position commune dans ensemble gros acteurs politiques. Et là, je me dis, il est difficile pour nous déterminer qui est-ce qui est gros ou pas gros, parce que son démocratie qui a monté gens là, tant qu'on soit de Tchakamaï qui a essayé d'organiser lui. Et le concept de gros ou de petit en Haïti, nous avons gagné 300 partis politiques. On nous dit que y a des partis politiques importants, qui aujourd'hui, hein, pas trop loin, gagné une posture, une position, sous qui ta meilleure forme de gouvernance pour nous capables aller remettre sécurité. Fait CEP à faire élection. Nous t'a souhaité que le premier ministre lui-même qui gagne en position, nous t'a capable de dire encore plus important parce que ma pays a un homme lié, pas un homme ni moi-même ni moi-même. Donc lui-même, faut le faire en dépassement de soi, même j'ai avec notre acteur ça, il faut continuer entendre et au plus tôt que possible pour nous, si nous capables de joindre un côté, nous rencontrer. Ça t'a bel en pile. Si nous-mêmes, comme force vive pays, nous sommes capables d'exemple ça. Et moi-même, je crois que le possible. Et c'est sans appel, nous matin. Député, est-ce que. Ok, nous avons des appels là, nous avons des réflexions, et nous comprenons l'approche. Mais je dis, globalement, nous avons une crise. Nous avons une crise, comme dit déjà, que nous, Haïtiens, nous créons. Est-ce que nous n'avons pas honte? Je me dis, nous. Moi-même, en tout cas, pose la question, est-ce que nous pas honte en tant que Haïtien que nous pas jamais arriver à entendre nous sur rien ou dis-nous plus proche de une solution jusqu'à présent, on est d'accord que c'est presque parole, député, nous plus proche là. Parce que tout en tant que nous n'avons pas gagné, nous vraiment nation, pas qu'on est que gagné, nous bagaille qui parle sorti, nous pas capable d'affirmer. Maintenant, est-ce que nous pas honte que c'est délégation de CARICOM qui a fait une première visite, une deuxième visite, une troisième visite pour essayer de résoudre le problème, jouer le rôle de médiation. Ça fait que nous ne sommes pas capables de faire pour contre nos députés. Wendell Théodore, d'abord. Question pas bon. Non, question bon. Ah question bon, pas fait ça. Ah bon. Pas fait ça. Moi, fier que Maïsien. Moi, fier de l'histoire pays. Moi, fier de beauté pays. Moi, fier de peuple. Moi, fier de ça nous accompli dans l'histoire et ça nous accompli plus devant. Par contre, moi, triste. Je vous dis, que nous avons une situation que nous y a là. Et pas seulement triste, mais envie de participer à un changement pour retirer le pays à Kachouboumbe côté le retrouver là. Donc ça, c'est ça, m'a dit en première réponse à la question.
Ceci étant dit, quand pile exemple dans l'histoire universelle, côté que on crise politique majeure dans le pays, avec, on est capable de dire, on bataille, on laisse frapper, on la guerre bouteille, tellement difficile, que c'est des entités régionales qui sont obligées de fouiller bouche là-dedans. Je dis, permets-moi, si nous pas contre nous, permets-moi, nous prenons plaisir à dire à chaque fois, permettez, nous pas qu'à réinventer l'histoire. Député, permettez. Justement, député, permettez, permettez, ok, bien humblement. Je permets parce que si je ne permets pas, je vais mon corps. Non, pas radio, il n'y a pas télévision, il n'y a pas télévision, il va venir quand même. Même si je ne suis pas toujours sérieux. Même si je ne suis pas invité, radio va toujours invité, parce que il va résumer à moi-même. Député, oui. Nous gagnons une réputation que nous faisons capitaliser sous lui. Première République noire indépendante du monde. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si je fais ça, alors que je dis, n'a pas observé passivement tête baissée situation ça et puis n'attend que c'est étranger pour venir aider nous pas même cacher ta en temps ensemble pour nous trouver une solution à la crise là na Jamaïque ça ne peut non attends Wendell Theodore moi comprendre d'ailleurs ça dit à ou refléter un sentiment général c'est l'opinion ou porte-parole en opinion publique ça dit à c'est la vérité mais la vérité souvent les gagnants cela donne. Ça moi je veux dire, on prend Jamaïque par exemple. C'est une rencontre organisée par le CARICOM. Moi même malé dans rencontre Kingston là. Mais Wendell Theodore pas j'aime penser me faire 3 jours et puis me prendre une solution au problème haïtien. C'est une rencontre qui fait partie d'un processus qui est plus long parce que pays a crasé. Parce que société politique a balkanisé, parce que autour de la table tout le monde pas sous même longueur d'onde. Il y a monde vraiment qui là pour venir manger sous ses eaux, il y a l'autre monde qui l'a, pour résoudre le problème pour aller à l'élection. Donc ça veut dire que c'est pas Haïti qui est au premier plan en tête tout le monde. Non, mais il n'y a pas jamais comme ça. Il n'y a pas jamais comme ça. Ah, mais au moins, si la majorité a été payée, on dit, ouais, député, entendons-nous. Oui, non, mais Wendell Theodore, c'est-à-dire que la réalité, nous n'avons pas changer ça, l'IA. Ça veut dire que les gens sont moins ou moins tristes que nous n'avons pas en tête nous-mêmes comme Haïtiens. L'accord inter-haïtien dont on parle, son bagage me pensait que nous t'étais joindre mais faut m'avouer tout Wendell Theodore mais attention mesure parole parce que nous sont acteurs politiques qui sont table t'as rien mes négociations pas venir pour shooter sur personne mais c'est vrai que souvent ou capable voir des monde qui sous table là qui pas sous même longueur d'onde mais de toute bonne foi même dit qui j'en lié ou saisir ça bradou là et vous dit question haïtien dans nuance quel est acteur sous table là qui pas intéressé dans l'élection. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous estimez aujourd'hui, c'est l'heure des grandes réformes structurelles. Vous pas qu'à faire honte, non? Son position, je suis d'accord. Moi-même, pensez transition, c'est organiser, vous mettez sécurité, mettez élection, pour que des élus aient légitimité pour achaviger aujourd'hui. Dans le bon sens. Par contre, c'est des positions différentes, parce que nous sommes des acteurs politiques différents, parce que nous avons des idéologies différentes, parce que nous ne parlons pas aux mêmes gens. Et c'est tout à fait normal. Mais en Haïti, plus que tout l'autre côté, parce qu'en Haïti... Qu'il en a suspendu fait caca.
merci. Politicien, merci. Bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé mot pour mettre foot fait des fiel. Nous avons fonctionné, mon temps tout sadine. Pour aller pendant bac, machin, pas qu'à poser sous grand riz. Oh Jésus, bagay ça fait mri. I just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui pongongo? Village de Dieu, grand rabbin, 400 maroso. Où est-ce que I love my country, je t'aime. Si pays ça, qui l'est n'a si son fait caca. Semble n'a pas foutre dans l'état. Merci, politicien, merci. Bourgeoisie, merci pour tout ça qui fait nous mal. Ton écrasé mot pour mettre foutre pété fiel nous. Hey, et mettre foutre pété fiel nous. Peut-être m'a quitté volé. Au goût mettre foutre pété fiel nous. Peut-être m'a quitté zingueno. Au goût mettre foutre pété fiel nous. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé mot pour mettre foutre pété fiel, nous. Et mettre foutre pété fiel, nous. Peut-être n'a quitté volé.